Bonsoir. 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 Ah, il a changé de nom. Hervé a l'air figé là. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Me semble que Hervé est figé par contre, non? Vous le voyez bouger?
Non, 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 non. 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 Il y a un problème de caméra. Oui, il y a aussi des gens en Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Ah. Il se reconnecte. Oui, bonsoir. Hein. Bonsoir. Voilà, ah, voilà. Voilà, ça va mieux. Bonsoir. 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 Alors, je garde mon masque parce qu'on est en présentiel ici. Hein. Ah, ça y est. Voilà. Là, l'eau vers le son là, voilà, bah c'est bon, on est au complet. Dans la vie, c'est ça. Voilà. Bon, eh bien, bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Voilà, désolé de... Bonsoir. On a quelques minutes de retard, mais je pense que ça va aller. Voilà, donc bienvenue à vous pour cette nouvelle rencontre de l'année. J'en profite pour vous souhaiter à chacune et à chacun une bonne et heureuse année 2022, qu'elle soit riche en Bible, qui va vous nourrir à cette parole de vie. Une information avant que je l'oublie. Donc, la prochaine rencontre était programmée le 17 février. Donc, c'était la deuxième semaine de vacances. Et donc, ça va être décalé. C'est annulé le 17 et c'est reporté au 24. Donc, ce sera après les vacances, comme ça, on pourrait partir tranquillement en vacances. Merci.
Voilà. Le 24 n'est pas le 17. Voilà, donc nous poursuivons notre découverte des rencontres des femmes de l'Évangile, des femmes du Nouveau Testament, avec aujourd'hui deux figures féminines qui ont une place non négligeable dans les évangiles, que ce soit dans les synoptiques ou plus exactement dans l'évangile de Luc ou dans l'évangile de Jean, avec donc les figures de Marthe et de Marie. Alors, l'évangile sur lequel nous allons nous attarder ce soir, c'est l'évangile très fameux entre Marthe et Marie, vous savez, la Marie la contemplative et Marthe l'active, et à qui Jésus va dire qu'elle a choisi la meilleure part. Voilà. Donc, avec toute une tradition d'interprétation d'ailleurs de cet évangile, qui allait plutôt dans le sens depuis Origène, c'est un peu Origène qui est à l'origine de ça, même s'il articulait toujours les deux. Donc, il y avait cette manière de dire que la vie contemplative était supérieure à la vie active dans le monde. Voilà, c'est un petit peu cette interprétation qui a été majoritaire pendant très nombreuses années et qui a parfois été un petit peu, certainement un petit peu excessive. Alors, nous allons donc entrer dans ce texte. Je vous propose de le lire et puis ensuite, vous avez quelques petites questions pour essayer de, voilà, vous puissiez pendant 5-7 minutes vous débattre avec ce texte et puis essayer de vous dire qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qui est important à mes yeux, qu'est-ce qui me pose question. Et puis on échangera nos questions en s'appuyant éventuellement sur les questions qui se trouvent sur la page 2 de votre dossier que vous avez vu, que vous avez pris entre les mains et que vous avez pu, je pense, télécharger, vous qui nous rejoignez à distance. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée, à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Voilà, alors je vous propose 5 minutes pour vous prenez ce texte avec un crayon, les questions qui vous viennent, et puis vos réactions et on partage là-dessus dans 5 minutes. Thank you.
Voilà, si ça va pour vous, je vous propose de prendre le temps un petit peu de partager nos questions, nos réactions à la lecture de ce texte, en vous demandant aussi un peu, en se demandant aussi qu'est-ce que ce texte nous dit de la place des femmes pour Jésus. Et donc, je vous propose, voilà, pour prendre la parole, donc, ceux qui sont à distance, vous avez la possibilité de. Vous avez en bas de l'écran réaction, donc manifestez par celui-là que vous souhaitez prendre la parole. Et puis, dans la salle ici, ben, voilà, aussi, levez la main pour qu'on ne soit pas tous à parler parce que le micro n'est peut-être pas suffisamment fort ici. Donc, qu'il n'y ait pas de difficulté. Voilà. Qui voudrait réagir? Voilà, moi j'aime bien savoir pourquoi Jésus entre chez Marthe et pas ses disciples. Ah. Est-ce que vous entendez à distance la question? Oui, ça va. Oui. Alors il y a une petite ambiguïté, on ne sait pas très bien si Jésus entre seul ou s'il entre avec les disciples. Il entre pas. C'est pas. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Alors, on peut le reçu chez elle, on peut effectivement entendre que c'est seulement Jésus, ou alors on peut aussi, par exemple, quand ça avait plutôt court, quand un seigneur recevait son suzerain, le suzerain, il recevait le suzerain, mais il n'est pas seul, il venait avec accompagné. Donc, je pense qu'on peut tout à fait imaginer que, surtout si on considère que Marthe est ensuite affairée. Donc, c'est pas un repas, a priori, c'est pas seulement un repas pour trois personnes. Trois personnes, pour se noyer avec trois personnes, il faut déjà. Voilà. Et donc, on peut raisonnablement penser, mais c'est une interprétation, que les disciples sont aussi présents. Et c'est aussi le plus vraisemblable parce que si on a un témoignage, si on a un témoignage de cet épisode, c'est bien que des gens y ont participé. Et a priori, des gens extérieurs et donc logiquement des disciples. Alors, Claude, vous pouvez parler. Oui, moi, ce qui m'étonne, c'est que Marthe s'adresse à Jésus. Au lieu de dire à sa sœur, tu pourrais venir m'aider. C'était sans doute habituel que Marie raisonne, pense, et que Marthe... et s'occupe des tâches subalternes. Mais donc vous pointez le fait que effectivement Marthe implique Jésus dans un débat ou un conflit familial, dirons-nous, entre les deux sœurs. Interne, oui. Ok. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce que disait Claude? Moi, je pense que Marthe était l'aînée des deux sœurs. Oui. Parce que c'est elle la maîtresse de maison. Oui. C'est la propriétaire. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment elle qui reçoit, mais qui a toute la tâche sur le dos. Voilà. Et ça laisse aussi supposer une certaine intimité entre elle et Jésus. Absolument. Donc, alors, une petite indication d'abord d'étymologie. C'est toujours intéressant de savoir que Marthe, ça vient de l'araméen Martha, qui signifie un petit peu dame ou maîtresse. Donc ça laisse à penser que c'est un peu elle qui effectivement gère dans le prénom. En fait, voilà. En tout cas, c'est intéressant de le noter, alors que justement, ce qu'on va voir, c'est que toute maîtresse qu'elle est, eh ben, elle a du mal à tout maîtriser, à tout contrôler, parce qu'elle n'arrive pas à tout gérer là. Alors après, donc il y a d'autres éléments. Alors, peut-être rappeler que Marthe et Marie donc, sont présents dans l'évangile de Luc, dans cet épisode-là, mais ils sont évidemment, ces deux personnages sont très présents avec leur frère Lazare dans l'évangile selon saint Jean. Donc il y a l'épisode bien connu de la résurrection de Lazare, et puis de l'onction de Béthanie, où Marie va oindre les pieds de Jésus et les essuyer de ses cheveux. C'est sûr que c'est la même.
Oui, la première fois, il y a une autre onction avec une autre femme, mais vous êtes autre chose. Ah oui, dans un décimétrique. Mais là, oui, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On prend le chapitre 11. Voilà, chapitre 12, vers l'évangile de Jean. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où se trouvait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, c'est une constante d'un évangile à l'autre. Et tandis que Lazare se trouvait parmi les convives, Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de ce parfum. Voilà. D'autres? Oui. On peut imaginer une sorte de jalousie parce que si elle demande finalement à Jésus d'arbitrer quelque part, puisqu'elle lui dit ça ne sert à rien, toi, que ma soeur elle reste seule, parce qu'elle aurait pu à ce moment-là aussi dire si elle tient absolument à écouter Jésus. Ben attends, on va finir ensemble et puis après, on va se. En fait, on s'entend plutôt d'abord le pic conversation, il n'y a rien, et puis moi, je travaille dans le même défi. D'autres commentaires, réflexions, questions? Première lecture, que Gabriel. Que les hommes sont toujours les pachas. Parce que même moi, quand j'ai des invités hommes, ils arrivent quand même des fois à se lever pour chercher un verre, une assiette. À l'époque, ça faisait. Oui, ça se faisait sûrement. Voilà. Pas, mais... Oui, à l'époque. Ouais. Ouais. Et encore, on n'y était pas. En tout cas, Marthe est la propriétaire des lieux. Et même ce qui doit, bon, qui est effectivement au four et au moulin. Mais qui n'a pas la communication facile, puisque ce n'est pas elle qui dit à sa sœur « Lève-toi et viens me donner un coup de main. » Elle va se plaindre, ce qui, je trouve, est un peu nul. Quoi. Mm-hmm. Elle va chez le rabbi, lui écoute, dis-lui. Mais... C'est un peu bizarre. Quoi. En fait, c'est des scènes qu'on voit souvent dans les familles. Mm-hmm. C'est pas exceptionnel. Hein. Enfin, moi, je crois que je dirais plutôt à ma sœur d'aller se lever, plutôt que de le dire à mon beau-frère. Voilà. Alors, ce qui effectivement est un peu étonnant, c'est que, ouais, imaginez, voilà, vous êtes avec votre sœur, un lien de parenté, voilà, et vous accueillez quelqu'un, et puis vous prenez à témoin l'autre de ce que votre sœur n'est pas très aidante. Donc, effectivement. C'est pas très heureux parce que ça met un petit peu l'autre un peu en porte-à-faux. Chez moi, quoi. Ce serait ma sœur, il devrait m'appeler. Okay. Bernadette. Oui. Et, parfois, il faut aussi que quelqu'un reste auprès de l'invité, de la personne qui arrive. Donc, je trouvais même la scène équilibrée. Quoi. Il y en a une qui veut donner, faire tout pour Jésus en donnant, en s'affairant. Et puis l'autre qui veut aussi, qui veut recevoir davantage peut-être, recevoir et l'écouter. Recevoir et donner. Je pensais que l'équilibre était bon, qu'une personne reste auprès de la personne qui est accueillie. Mais pas toujours la même. Voilà, c'est ça. Il y a équilibre, mais ce n'est pas équilibré pour chacun, oui. D'accord. Alors, Claude. Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si Marthe fait intervenir Jésus parce qu'elle aurait envie d'écouter aussi ce que dit Jésus? Oui. Et que si elle est la seule à s'affairer pour préparer le repas, elle ne peut pas en profiter. C'est une interprétation possible, oui. Mais elle pourrait aussi bien, elle pourrait s'arrêter. On l'a fait écouter. C'est une réflexion de quelqu'un qui. Quand on a quelque chose sur le feu, difficile de s'arrêter.
dans ces pays, ils avaient souvent des bonnes. Donc, c'était la bonne qui surveillait les deux. Oui, Gaëtan. Alors, on dit que Marc fait tout seul, très affairé, donc il y a le tout, il y a le trait. Et puis, ce que le reproche Jésus, c'est tu t'inquiètes, tu t'agites. Elle n'est pas dans la paix. Elle le fait, mais elle ne fait pas dans la paix. Elle doit faire je fais, il ne passe. Alors que Marie, à côté, bah, elle écoute, elle ne parle pas, on n'entend pas. Là, elle est bien, elle ne comprend pas. Voilà, effectivement, ce qui va être pointé par Jésus, Jésus ne va pas contester le service qu'accomplit technique Marthe, mais là où il la remet un petit peu en question, c'est sur cette agitation qui est la sienne. Voilà. Mais il dit une seule est nécessaire, mais il ne dit pas quelle est cette chose. Alors, non plus. Oui, alors il dit qu'une seule est nécessaire, mais ça ne veut pas dire que l'autre est inutile. Oui. Moi, je crois que ça dépend de la façon d'entendre. Oui. Une seule chose est nécessaire, là, ça serait être avec Jésus, qu'elle soit en train de cuisiner ou qu'elle soit en train d'écouter, simplement. Mm-hmm. Le principal, ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est comment elle le fait. Mm-hmm. Ok. Marie-Odile, moi je suis encore sur le souci de Marthe. J'ai regardé plusieurs traductions et je trouve que ça peut donner un indice aussi. Dans ma version commentaire juif, là on dit qu'elle était distraite par toutes sortes d'occupations. Dans la Bible, la nouvelle traduction de la Bible de Jérusalem, c'est dit un peu autrement et je trouve que ça donne un indice. Marthe était sollicitée à s'occuper de lui. Ce n'est pas tout à fait la même chose de dire qu'elle part dans toutes les directions. Et là on donne déjà un peu un sens. Faudrait peut-être... c'est un peu contestable, je pense, mais... parce que le terme grec utilisé, c'est perispao, alors qui est un peu péjoratif et qui y a un peu l'idée d'être tiraillé, absorbé par trop de services, mais quelque chose de pas. Il n'y a pas d'unité intérieure, quand on est un petit peu dispersé. Oui, mais il s'agit de plusieurs services ou il s'agit, là c'est dit, de s'occuper de lui. Et c'est pas différents services comme on, je sais pas, c'est quelque chose de bien plus ciblé, plus précis. S'occuper de Jésus, c'est pas s'agiter derrière les casseroles, quoi. Hein. En tout cas, si c'est ça, c'est pour s'occuper de lui. Oui, alors certainement que l'intention première, il y a aucun doute, c'est bien ça. Et c'est elle qui a l'initiative de recevoir Jésus. Et j'imagine les disciples qui sont avec lui. Elle a le souci de l'accueillir et de bien l'accueillir. On sait aussi par les récits de Jean que c'est un lieu où manifestement Jésus avait l'habitude de venir. Béthanie, c'est un lieu de repos habituel, donc c'est sans doute quelqu'un d'un peu familier. Donc le souci de bien accueillir un ami de passage, certainement c'est là. Après, si l'intention est là, traduire comme ça l'est fait dans la BJ, sollicité par son service, vous savez comment c'est, par le souci de lui, ou je sais plus, à bien s'occuper de lui, à s'occuper de lui, était toute sollicitée à s'occuper de lui. Je pense que c'est déjà interprété que d'utiliser ces termes là donc dans la traduction qu'en donne Enzo Bianchi, c'est distraite, tiraillée entre ceci et cela. Donc, il y a quelque chose d'un trouble intérieur, et c'est un peu confirmé par les termes qui viendront ensuite. Quand il y aura « tu t'agites, tu t'inquiètes, tu t'agites », là, ce n'est pas parce qu'être occupé par quelque chose qui nous… par le seul souci de faire du bien, de prendre le soin de quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit aussi péjoratif, enfin, qu'il y ait pas, comment dire, qu'il y ait ce trouble-là. Après, on est parfois entre la visée et puis les à côté, les accessoires. Qui est accessoire, on est parfois plus
pris et sollicité par l'accessoire que par le, que par le cœur, quoi, ce qui était peut-être visé au départ. Enfin bon, c'est, un... c'est dire qu'elle elle, elle avait quand même souci aussi de Jésus. Elle n'était pas s'agiter comme ça. Comment... Oui, c'est... non, mais d'accord. S'agiter dans tous les sens. Elle, a, elle avait un autre souci que Marie, mais elle, elle était aussi dans le souci de Jésus. Tout à fait. Alors, pour aller un petit peu dans, dans ce sens, alors c'est dans vive, vive femme de la Bible, c'est-à-dire vive flamme, vive femme de la Bible, il y a un petit commentaire là, qui est donné et qui va tirer un petit peu dans ce sens-là. Hein. Chez les deux sœurs, l'accueil de Jésus est empressé, mais il n'est pas centré de la même manière. Assise au pied du Seigneur à l'écoute de sa parole, Marie, dans la position de celle qui reçoit de lui, prise par son hospitalité généreuse et un service compliqué, Marthe est celle qui donne à Jésus. Contraste entre la simplicité d'une part et la fièvre, l'agitation d'autre part. Une agitation que Luc évoque avec une pointe d'agacement à travers ce terme, donc affairé, donc ce, ce verbe perispao, tiraillé, affairé. Et c'est vrai qu'il y a une dimension un petit peu péjorative dans le terme s'affairer. Quand on est affairé à ne rien faire, même en français, on s'affose. Mais Hervé, oui. Le complément de ce verbe, c'est diakonai. Oui, mais... Et alors, il a aussi un déterminant qui est pollen, donc, c'est-à-dire beaucoup, un service multiple, oui. Oui, donc c'est bien le service qui est la visée, on est d'accord, oui. Mais il y a une dispersion dans ce, dans ce, dans oui, ce service. Oui. Je pense qu'il y a une histoire aussi de cette fois d'elle-même de complète d'infériorité. Elle n'est pas en fait, c'est-à-dire ce qu'elle fait ne fait pas jusqu'au bout. Alors que Marie, elle n'a pas, Marie, elle n'a pas l'air gênée finalement, presque des reproches, enfin, parce qu'elle est pleinement, parce qu'elle le fait pleinement. Alors que Marthe voudrait être avec Jésus et lui faire plaisir, et donc elle disperse, et alors elle en veut finalement à la terre entière, donc elle se. Elle est un peu moins en paix au départ, quoi, parce qu'elle pouvait effectivement être affairée en disant je fais plaisir, c'est ma manière à moi de l'écouter ou de le dire. Et elle n'est pas en paix. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de ce ordre-là. Alors, sans vouloir tomber dans. Voilà, oui. Il ne s'agit pas de tomber dans, le, dans la, la doctrine qui était celle d'origine, avec voilà, il y a la contemplation, il n'y a que ça de vrai, et puis le reste, c'est vraiment pour vert. Non. Mais il y a quand même quelque chose qui va certainement ordonner, l'un et l'autre ont à être articulés et ordonnés. D'autres, d'autres remarques à la lecture de ce texte, tel ou tel élément qui vous frappe à la lecture. C'est juste le nom Béthanie, à Chefteuil, la maison d'accueil des femmes, surtout s'appelle Béthanie, je crois. Oui, ben alors c'est assez classique dans les textes. Voilà. C'est le lieu de repos où, voilà, où Jésus allait se, se retirer. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, Béthanie, c'est resté dans le dans c'est le monde bon. Chrétien, un peu cette image d'un endroit reposant où on fait ses forces. Alors, peut-être, je vous invite à regarder, en étant attentif un petit peu à la question de, des relations hommes-femmes et des relations entre Jésus et ses femmes. Il y a une chose qui est assez singulière, c'est que autant dans l'évangile de Jean, Marthe et Marie sont toujours associées à la figure de Lazare, ici, Lazare n'est pas là. Donc il n'y a pas de figure masculine dans cette maison. Où est Lazare? Voilà. Et ce qui est tout à fait étonnant, dans le monde, vu le contexte un peu sémitique, dans le contexte juif de l'époque, c'est que Jésus entre invité par une femme. Alors, aujourd'hui, c'est assez naturel que ce soit les dames qui fassent les invitations souvent à dîner. Ce n'est pas forcément le cas dans le monde juif. Si c'était effectivement la, aux femmes de s'occuper de l'intendance à l'époque, ce n'est pas forcément les femmes qui donnaient les invitations. Et donc là, c'est assez singulier. Et puis, c'est aussi... que des hommes entrent dans une maison où il n'y a que des gars et des femmes, ça peut être diversement apprécié dans la culture de l'époque. Et donc, Marthe accueille Jésus sous son toit et ce fait même est déjà significatif dans le contexte social juif.
Et ça témoigne aussi de la liberté de Jésus et de ses amis, ce qui suggère une certaine émancipation de la femme dans le milieu chrétien primitif. C'est pas courant. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit lors de la première rencontre où vous avez un peu tracé à grands traits le contexte, la condition féminine dans le monde juif. Ben, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe d'habitude. Donc ça manifeste à la fouille. En même temps, les femmes suivaient Jésus, enfin, il y avait quand même une grande liberté déjà. Je trouve, oui, mais ça, c'est la liberté. Elle subventionnait. Mais ça, c'est la liberté de Jésus. Ouais, c'est la liberté de Jésus. C'est quelque chose de singulier dans le monde juif. Les femmes qui suivaient Jésus, dont on a parlé il y a deux rencontres, c'est quelque chose de propre. Au christianisme, accueillir parmi ceux qui vous suivent comme rabbin des femmes, c'est un peu sans précédent. Donc ça, c'est plutôt une attestation, enfin, c'est plutôt un élément qui confirme cette singularité de Jésus vis-à-vis des femmes. Claude. Hervé, est-ce qu'on pourrait pas moi j'aimerais savoir ce qu'il en est d'une femme qui est veuve ou d'une femme qui est divorcée. Est-ce qu'elles avaient à l'époque une autre position qu'une femme qui était mariée et donc qui vivait sous la tutelle de son mari ou d'une femme qui ne l'était pas encore? Dans l'évangile selon saint Jean, il y a Lazare. Donc il y a un frère qui est là. Oui. Et donc comme frère, alors après on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut sur leur relation. Enfin. Dans le contexte, alors on n'a pas le détail, mais dans le contexte de la situation qui était celle de cette fratrie, mais ce qui est à peu près certain, c'est que la femme étant en situation de minorité, alors elle est d'abord sous l'autorité d'un père, sous l'autorité d'un mari, sous l'autorité d'un frère. Là, on a quelqu'un qui assure une vraie direction de la maison. C'est elle qui a l'initiative, qui invite, c'est elle qui reçoit, c'est une figure féminine, pas anodine, de ce point de vue-là. C'est ça hein, que je voulais surtout souligner. Donc, je vous ai dit aussi, je vous ai dit l'étymologie du mot Marthe, Martha en araméen, donc maîtresse, donc c'est une maîtresse-femme, on pourrait dire d'une certaine manière. Alors ça, c'est un premier élément. Ensuite, on ne s'est pas beaucoup attaché au verset 39 jusqu'à présent. Essayons de regarder d'un peu près là. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Est-ce que cette formule vous rappelle quelque chose peut-être? Alors, si ça vous rappelle rien, je vous invite à prendre dans le livre des Actes, c'est vers le chapitre 22, vous avez Paul qui va faire un plaidoyer, qui va se défendre devant les Juifs, à un moment où on le cherche. Ah oui. Et donc, dans ce plaidoyer, Paul va justifier, va dire combien il est juif et fidèle à la loi juive. Voilà la formule qui est la sienne. Donc, il s'adresse à un univers qui est exclusivement masculin, parce que frères et pères, donc il n'y a pas de femmes qui sont là à l'écouter. Écoutez donc la défense que j'ai maintenant à vous présenter. Le calme s'accrut encore quand ils entendirent que Paul s'adressait à eux en langue hébraïque. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation strictement conforme à la loi de nos pères. Donc, vous avez là, en quelque sorte, ce qu'on appelle un topos littéraire, une formule un peu typique pour dire qu'on est disciple d'un maître. Voilà. Forme Gamaliel, donc c'est un rabbin connu. Et donc, la formule « s'étant assise au pied du Seigneur, écoutez sa parole », ça n'est pas une formule anodine.
parce que ça nous dit qu'elle n'était pas simplement à écouter, elle prend l'attitude qui est celle du disciple. Marie est disciple de Jésus, du rabbin Jésus. Voilà. Et alors, l'autre aspect intéressant, c'est que ça n'est pas, on ne lui a pas dit « Assieds-toi ici et écoute ». C'est elle qui s'étend assise au pied de Jésus, écouter sa parole. Donc, c'est elle qui fait librement le choix de prendre l'attitude du disciple. Voilà. Voilà. Ça paraît, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas rien du tout. Donc, vous avez vraiment une formule quasiment identique dans le livre des Actes, dans le plaidoyer de Paul et puis dans l'attitude de Marie telle qu'elle nous est décrite par, par Luc. Et je vous rappelle au passage que donc, voilà, Actes et Luc, c'est le même auteur. Donc, donc c'est pas. Ce n'est pas accidentel. Est-ce qu'on pourrait parler de la traduction du verset 42 ? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on traduit par la meilleure part ? Oui, c'est une très bonne question. Alors que les notes nous disent que ce n'est pas un comparatif ? Oui. Alors, et qu'il n'y a pas de comparatif en araméen ? Voilà. Ben donc, en grec, ça existe, mais ce n'est pas le cas ici. On est d'accord. Oui, oui. Alors, si vous avez votre TOB, vous avez un intéressant renvoi, mais qui en même temps n'est pas là. Voilà, la meilleure, c'est la note numéro U. Voilà, U539. Donc, si vous allez dans votre TOB, voir la note. Au verset 5:39, voilà, vous avez cette parabole sur le vieux et le neuf. Hein, et quiconque boit du vin vieux n'en désire pas du nouveau, car il dit le vieux est meilleur. D'accord ? Or, la note nous dit la chose suivante, littéralement bon, donc il n'y a pas de comparatif, mais c'est une comparaison, comme l'ont compris bon nombre de témoins, la langue de Jésus ne possède pas de comparatif. Voilà. Donc, mais c'est déjà une interprétation du traducteur. Parce que le terme en grec, effectivement, elle a choisi la bonne part. Donc, déjà, ça change la donne. Parce qu'on n'est pas dans une comparaison entre les deux, c'est une bonne part. Elle a choisi la bonne part. Donc, effectivement, je pense que ce n'est pas très heureux d'utiliser, comme c'est le cas dans la TOB, encore aujourd'hui, dans la nouvelle. Traduction de la TOB, c'est toujours sa page qui est changée. Donc, d'utiliser, il faudrait plutôt dire la bonne part. Simplement, d'utiliser ce terme-là, on est moins enclin à opposer les deux attitudes. Je pense qu'effectivement, c'est sage de ne pas, traduire par meilleur. Origène. Alors, et encore, Origène, ce n'est pas le pire. Origène, il articule encore les deux choses, ce ne sera pas le cas d'autres. D'autres pères de l'Église ou d'autres prédicateurs plus tard. Alors, peut-être pour continuer dans la progression, dans la progression du texte, passons au verset 40. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service ?» Dis-lui donc de m'aider. Donc, on a déjà dit quelques mots de cette formule très affairée. Hein. Je vous lis le commentaire qu'on fait Enzo Bianchi. Donc, l'Évangile dit que Marthe est distraite, c'est-à-dire tiraillée entre ceci et cela, ce qu'indique le verbe périspao. Absorbée par trop de service, elle oublie l'essentiel de l'accueil, l'hôte et l'écoute. Elle veut bien accueillir Jésus, et c'est une bonne chose, mais dans ce désir, elle se laisse distraire et dominer par les tâches à accomplir. Que cette anxiété n'est un comportement nerveux, frustré, qui la pousse à dire des mots pas accueillants,
d'abord vis-à-vis de Jésus, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule à faire le service. Avec Dieu, quand vous êtes dans une logique d'hospitalité, si vous commencez à faire grief à votre hôte de ne pas dire à votre sœur de faire le travail que ça met quand même un petit peu mal à l'aise l'autre. Enfin, imaginez comment vous réagiriez. Cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Marthe finit par s'en prendre à Jésus, l'impliquant indûment dans la relation de jalousie ou de concurrence entre sœurs. Elle ne paraît donc plus maîtresse d'elle-même, elle dont pourtant le nom signifie maîtresse, voilà, et va à l'encontre de son désir véritable, celui de servir Jésus avec amour. Voilà, donc, encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'intention de Marthe qui est sincèrement bonne, il y a le désir de servir, d'accueillir. Mais ce faisant, elle est en train d'oublier peut-être ce que l'hospitalité vraie implique. D'ailleurs, en français, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul mot pour dire à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli, l'hôte. Si vous accueillez quelqu'un, à un moment ou à un autre, il faut que vous vous laissiez accueillir. C'est peut-être justement ce qu'elle ne réalise pas. La relation ne peut pas être à sens unique. Et toute hospitalité vraie, je suppose qu'à un moment, il faut qu'on soit, on ne peut pas seulement servir, mais il faut qu'on soit aussi servi. Pensons à ce qui est dit de Jésus plusieurs reprises dans l'Évangile. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Or, en ne se mettant pas, elle, à l'écoute, comme Marie a choisi de le faire, eh bien, elle se prive de recevoir ce service de la part de Jésus. On pourrait le dire un peu. En fait, elle a choisi le mauvais rôle. Je ne dirais pas le mauvais rôle, non, ce n'est pas un mauvais rôle. Parce qu'elle s'est remarquée, en accomplissant les tâches. Pas forcément, elle ne veut pas forcément se faire remarquer. Non, elle ne veut pas l'attirer. Alors, en lui disant, mais pas en faisant. Je crois que c'est plus peut-être le contraste avec. Parce que dans le désir de servir, elle a envie de partager quelque chose avec Jésus. Oui, voilà. Et finalement, affairée qu'elle est, elle ne peut pas faire ce qu'elle voudrait faire. Pleinement. Et elle voit que sa sœur, elle, en bénéficie d'une certaine manière. Voilà. Mais tu vois, quelqu'un voulait prendre. Non, moi, j'étais d'accord avec ce que tu disais. Elle ne veut pas se faire remarquer. Elle a eu le premier geste de dire viens dans ma maison, etc. Après, elle s'est dit effectivement, on va faire un repas et elle s'est laissée déborder par ça. Et puis à un moment, elle dit moi, je n'écoute pas ce que dit Jésus, ça m'a fait un peu. Donc, c'est. Non, c'est pas la fête de Dieu. Elle se rend compte que finalement, elle perd quand même un certain nombre de choses. Ok, voilà. Pour vouloir être haute, elle oublie d'être haute. Donc Jésus était bavard puisqu'il parlait tout le temps. Mais encore un pas comme entre vous deux. Alors après, l'autre chose qui est intéressante, mais qu'il faudrait, à mon avis, comprendre avec justesse, vous avez quand même. Dans cette phrase qui vous est rapportée, on pourrait penser qu'il y a quelque chose d'un petit peu égotique. Parce que cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service, et lui donc de m'aider. Ça fait quand même beaucoup de moi. C'est un ordre. C'est un peu un ordre divin de m'aider. Mais ce n'est pas tellement l'ordre, mais c'est moi. C'est-à-dire que. Il y a trois mots dans la phrase. Trois mots dans la phrase, ça laisse à penser qu'il y a, voilà, il y a quand même quelque chose d'une frustration. Et son moi n'est pas pleinement satisfait. Voilà. Alors, ça, c'est. Oui, il voit quelque chose d'assez
d'un petit peu égotique, un peu voilà, tournée vers soi. En même temps, je pense qu'il y a aussi, elle est aussi victime des codes sociaux qui sont ceux de l'époque. C'est-à-dire que la culture dominante, ben, elle enferme les femmes dans des rôles bien précis au service de la famille, des pères et des époux, etc. Donc, comme elle, enfin, quelque part, c'est comme si elle intériorisait le fait que ben, il faut qu'elle fasse le service, il faut qu'elle accueille, il faut que, mais tout en pouvant éprouver une forme de frustration à accomplir ce que la société attend d'elle et qu'elle a certainement dû intégrer. C'est pour ça que les temps ont changé, que maintenant, c'est les cuisines ouvertes. Pendant ce temps, on peut être à la cuisine et écouter. Voilà. En fait, je sais pas quelle est. Ouais, il fallait cuisine équipée au 1er siècle. Palestinien, je ne sais pas ce que c'était. C'est la même chose que nous. Je ne sais pas. Je n'ai jamais rencontré, je ne me suis jamais intéressé aux cuisinistes du premier siècle. Mais Jésus, il n'est pas méchant quand il est comme ça. Non, mais là, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ça, on va y venir. Mais peut-être, on pourra synthétiser ce qu'on a déjà. On peut prendre, vous avez des petits textes qui récapitulent un petit peu les choses sur la page 3. Donc, avec la présentation de Marthe et de Marie, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, Marthe, une présence utile mais dévalorisée. Des deux sœurs, Marthe est la plus âgée, elle assume le rôle de maîtresse de maison. Elle prend les devants, c'est une fonceuse qui provoque les choses. Active, habituée à commander, vive, éloquente, avec, semble-t-il, une tendance à être autoritaire avec sa sœur, timide, plus calme, plus réfléchie, dont l'attitude relève plus de l'être que du faire. Donc ça s'appuie principalement sur ce qu'on apprend dans l'évangile de Jean. Hein. Vous la voyez à la mort de Lazare, c'est elle qui va, apprenant que Jésus arrive, c'est elle qui va quand Marie reste là. Elle est assez dynamique. Et puis d'ailleurs, elle aura, enfin, faut aussi le dire, parce que la pauvre Marthe, elle a quand même beaucoup subi les foudres de devenir des prédicateurs dans leur histoire. Mais il faut quand même rappeler que c'est elle qui va avoir un des plus beaux témoignages de foi dans l'évangile selon saint Jean. Dans le récit de la résurrection de Lazare. Les deux sœurs vont dire la même chose. Hein. Si tu avais été là, ton frère ne serait pas mort. Mais la différence entre Marie et Marthe, c'est que Marthe rajoute, et même aujourd'hui encore, si tu demandes quelque chose, Dieu te l'accordera. Voilà. Et alors Jésus va l'interpeller. Marthe, crois-tu que... Oui, la résurrection des morts, tu crois à la fin. Mais là, maintenant, est-ce que tu y crois? Donc, elle a cette affirmation de foi qui est quand même tout à fait remarquable. Alors que Marie, elle va un peu plus loin dans le récit, elle a la même interrogation, enfin, la même interpellation, si tu avais été là, mais ça s'arrête là. Alors, après, effectivement, c'est Marie qui fait l'onction, mais je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à ce témoignage de foi, comme femme décidée, comme femme qui prend l'initiative aussi. Hein. Voilà. Mais donc, revenons à notre texte. L'accueil d'un invité est une fonction qui revient traditionnellement aux femmes. Plutôt que de faire le service sans se plaindre, elle laisse libre cours à ses sentiments en pointant même l'indifférence de Jésus, enfin ce qu'elle croit être l'indifférence de Jésus, et reproche à Marie de la délaisser quand justement elle a besoin d'aide. D'accord ? Et puis donc voilà ce que vous avez dit un peu de Marie, tandis que encadré. C'est la jeune sœur de Marthe et de Lazare, tantôt présentée comme une femme discrète, passive et renfermée, ou comme une femme certes dans la retenue, mais qui s'affranchit des codes sociaux. Dans cette scène, elle n'est ni debout ni active, mais au contraire assise aux pieds de Jésus. Elle doit supporter les vives critiques de sa sœur. Elle est toute centrée sur l'unique nécessaire,
Elle se met à l'écoute, complètement disponible à la parole de Jésus. Elle est dans l'attitude d'une femme disciple, ce qui, dans la culture de l'époque, était extravagant. Un rabbin ne pouvait accepter d'avoir des femmes dans son cercle d'instruction. Juste quelques petits rappels pour contextualiser, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure en soulignant l'attitude de Marie qui prenait l'attitude de disciple. Vous savez que, alors aujourd'hui, avec le judaïsme libéral, Claude pourra compléter certainement ce que je vais dire là, mais sauf dans le judaïsme libéral où des femmes, il y a des femmes rabbins et où l'étude de la Torah est aussi vécue et portée par des femmes, de manière très très majoritaire, les femmes sont exclues de l'étude de la Torah. Et dans la loi, il n'est pas demandé aux femmes de méditer et d'étudier la Torah. Juste deux citations tirées de la Mishnah. Un rabbi Eliezer qui disait: quiconque enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui avait enseigné des choses sales. Et c'est commenté toujours dans la Mishnah, Sota 3, 4. Plutôt brûler les paroles de la Torah que de les enseigner aux femmes. Voilà. Donc, c'est juste pour quand même rappeler un peu le contexte, parce que voilà, spontanément, quand on lit ce texte-là, on ne se surprend pas, on n'est pas du tout étonné que Jésus débarque chez deux dames comme ça, hors la présence d'aucun homme, qu'une femme, Marie, se mette, s'asseye au pied de Jésus dans l'attitude de disciple. C'est complètement transgressif dans le judaïsme de l'époque. Alors, je ne sais pas si Claude voulait rajouter quelque chose. C'est quand même pas ce qu'ils me disent là, hein, les juifs qui commentent l'évangile. Hein. Eux, ils disent qu'à l'époque, les femmes avaient accès à la synagogue, pouvaient enseigner et recevoir des enseignements. C'est pas trop ce que dit le... Après, il y a un virage dans le judaïsme rabbinique qui a durci les choses, mais voilà, je... C'est... Peut-être, oui, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est étonnant. Parce que quand on connaît des familles juives, la femme a un pouvoir très important dans la famille. Alors, dans la famille. Dans la famille. C'est-à-dire que dans la sphère domestique, effectivement, je pense que traditionnellement, voilà, la mère, la femme a un rôle important. Dans l'espace public, elle est beaucoup plus discrète. Voilà. Léo Berlet, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais dire la chose suivante. C'est que au couvent de Ribeauvillé, les sœurs de ma génération n'avaient pas accès à l'Ancien Testament. Allô? Alors, il est plausible que elles n'aient pas eu accès à la Torah. Voilà, une dernière référence. Alors, je ne saurais pas vous dire de quand ça date précisément, mais peut-être que les membres de l'amitié judéo-chrétienne pourront en dire un peu plus. Une citation du Pirkei Avot. Je ne sais pas de quand date ce texte. Pirkei Avot 1.5. Négliger les paroles de la Torah. Parler avec les femmes est considéré comme négliger les paroles de la Torah et courir vers l'enfer. Parce qu'il croyait à l'enfer. Ça, voilà. Je ne sais pas, mais je suis un peu sceptique sur une lecture un peu trop irénique de la condition féminine dans le judaïsme du premier siècle. Donc voilà pour ces deux textes. Une chose sur laquelle on ne s'est pas trop arrêté, c'est intéressant toujours de regarder aussi comment un texte apparaît dans la trame narrative. Qu'est-ce qui précède, qu'est-ce qui vient après.
Or, cet épisode donc, de Marthe et Marie fait suite à un épisode assez intéressant qui est la parabole du bon samaritain, où précisément il s'agit d'aider le prochain, d'être au secours. Et puis, ce qui vient juste après, c'est l'enseignement sur la prière. C'est l'enseignement du Notre Père qui est un enseignement. Donc, c'est bien la prière qui est le produit de l'écoute. C'est pas, parce que j'écoute cet enseignement et cet enseignement me dit comment je dois prier. Donc, si vous prenez sur la page 3, vous avez un petit texte qui s'appelle Le contexte. Je ne m'étais pas arrêté, j'aurais dû commencer par là. Cet épisode n'est rapporté que par Luc. Jésus avec ses disciples est déjà en route vers Jérusalem, avec eux il va de village en village. Il s'arrête dans la maison de Marthe où il sait qu'il pourra se reposer, se ressourcer, car il y a des amis. Bon, ça c'est l'interprétation donc, à partir de Jean, hein, évidemment. Cette brève scène chez Luc est intercalée entre la parabole du bon samaritain et la prière au Père. L'ensemble est construit dans une vraie dynamique. La parabole du bon samaritain propose un exemple de service et d'amour envers son prochain. La suite immédiate du texte avec Marthe et Marie enseigne que la seule chose nécessaire n'est pas le service, mais l'écoute et l'enseignement de Jésus. Et enfin, la prière au Père constitue une illustration de cette écoute et de cet enseignement. Moi, je relis la phrase du Seigneur un peu différemment. Quelque part, c'est presque une parole de libération en disant ben, ton rôle que tu t'es assigné, toi qui es une femme, tu disais un peu quand même l'émancipée maîtresse d'elle-même et qui l'a fait le contrôle d'elle-même. Là, il lui dit ne t'enferme pas dans ce rôle. Finalement, là, tu as aussi le droit à cette part. Et ben, voilà, ne t'enferme pas dans cet enfermement. À condition que vous ne mangiez rien. Qu'il n'y ait pas de repas. Mais on peut faire après. Mais il faut bien préparer. Alors, mention le pouce. Alors, peut-être un petit peu en écho à ça, vous avez un petit témoignage enfin, qui est évoqué à la page 5, mais que je vais vous lire de manière un peu plus large. Donc, c'est Marion Muller-Collard, l'auteur. Qui commence dans un petit ouvrage qui s'appelle donc Éclat d'Évangile, qui commence ce texte et elle le fait en parlant un peu d'une situation plus personnelle. Enfin, elle témoigne aussi et je trouve que c'est assez éclairant. Donc, je vous lis le début puis la suite se trouve sur la page 5. Hein. Un jour, je m'abandonnais à la très banale plainte de la maîtresse de maison. J'accusais mon mari de manquer d'initiative en termes de tâches ménagères. Oui. C'est des choses qui n'existent jamais. Quelqu'un me suggéra alors de convertir mon regard. N'était-ce pas moi qui abusais d'initiative? Lui laisses-tu au moins le temps de songer à ce qu'il y aurait à faire? Voilà ce qu'on lui dit. Je ronchonnais. Donc, pas très convaincu par la formule. Hein. Je défendais que si je ne faisais pas tout et tout de suite, rien ne serait jamais fait. Cela fit pourtant son petit chemin et je constatais que si je faisais moins, mon mari, au final, finissait par faire plus. Il prenait dans sa main ce que je lâchais de la mienne. Le malheur de Marc et de nous autres, ces pauvres sœurs de contrôle, et de ne rien vouloir lâcher. Où plaçons-nous notre importance lorsque nous tenons nos maisons et nos vies d'une main de maître? Voilà la question que pose Marthe et à laquelle répond Jésus de façon un peu elliptique. Car à ses pieds se tient une femme qui n'aurait peut-être pas rechigné à prendre sa part si la maîtresse de maison le lui avait demandé, si elle avait senti une faille dans l'organisation, un manque dans la main-d'œuvre pour ce jour. Mais voilà que Marthe a les choses bien en main et qu'elle ne lâchera rien, car c'est là qu'elle place certainement toute son importance. Marie, elle, fait sans doute partie de ces personnes dont parle Jean suivant. Elle est libre d'avoir saisi son importance et son inimportance. Elle s'est trouvée et sait qu'à ce moment-là, elle se tient au pied de sa propre importance. Car n'est-ce pas cela que Jésus incarne, l'importance de chacun de nous? Non pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes,
ouvert à cette rencontre à laquelle il invite par tout son évangile. Alors, Jésus fait simplement remarquer, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Cette part, c'est lui-même, visage d'éternité penché sur nos conditions humaines, la face importante de nos inimportances. Voilà, je trouve que c'est assez éclairant et un peu en écho à ce que vient de dire Agnès. Voilà, le chemin que Marie, elle a fait, sans doute qu'elle, voilà, cette liberté qu'elle a prise, et puis finalement, sans doute qu'elle aurait, probablement qu'elle aurait pu se sentir disponible si elle avait senti quelques lacunes dans, le, dans l'organisation du repas, comme d'ailleurs on le fait enfin, peut-être assez spontanément quand on voit que la maîtresse de maison est un peu débordée, et bien assez naturellement. Souvent, voilà, les convives proposent leur aide. Alors, pas toujours. En tout cas, tout dépend des représentations. Tout dépend des représentations, peut-être, qui nous agissent, mais peut-être, voilà, quelle conscience on a de son importance et où est-ce qu'on met du coup l'importance. Ben oui, mais c'est pas... Et finalement, le plat est un peu tiède, enfin, c'est un peu tiède quand ça arrive comme table. Est-ce que c'est vraiment la fin du monde? D'ailleurs, souvent, quand on demande « qu'est-ce que je peux aider ?» quand on est soi-même invité, la maîtresse de maison dit hein, « non, non, tout va bien, je débarrasse toute seule. » Voilà, enfin, ça renvoie des choses très concrètes. Hein, vous interrogerez, d'ailleurs, en le disant, je pense à des choses. Dans ma propre attitude, parfois, quand j'accueille, c'est vrai que voilà, j'aime bien, mais attention, il faut que vous me suggérez aussi. Bon. Non, non, ça va, je gère. Bon. Autre chose, donc, revenons un peu sur, cette, voilà, sur peut-être le verset 41 maintenant, au moins vous ayez d'autres interventions. Non, alors, le verset 41, c'est. Donc, la réponse de Jésus hein, à l'interpellation pas très hospitalière de Marthe. Oui, la réponse non plus. Hein. Deux fois Marthe, c'est beaucoup aussi. Marthe, on pourrait dire ma chère Marthe. Marthe, tout juste, il ne va pas la secouer. Ah ben, ça, c'est intéressant comme interprétation parce que c'est pas du tout. C'est pas du tout celle que j'aimais. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors, comment vous entendez vous, ce doublement, ce Marthe, Marthe, comme une espèce de rebuffade un peu d'une agressivité, comme ça? Oui. Ou au contraire, comme plutôt quelque chose d'une... Une forme de douceur et de tendresse. Hein. Ah non, 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 pas de douceur et de tendresse, mixte. Alors. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Oui. Alors, pas tous en même temps, pas tous en même temps, parce qu'avec le micro, on ne va pas s'entendre. Alors, Marie-Laure. Oui, je disais qu'en fait, c'est dans un contexte quand même amical, la quotidienne. Oui. Donc, pour moi, c'est sympathique. Je préfère qu'on m'appelle Gabriel tout court et pas. Gabriel, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Et après tous les tu t'agites et tu t'inquiètes. Il aurait pu lui dire, Marc, oui, ça, il y a plus de tu que de me. Tout à l'heure. Okay. Il aurait pu dire, Marc, tu fais très bien les choses, un petit mot gentil, quoi, mais pas Marc, tu. Non, tu ne te fais pas tant de soucis. Il aurait pu lui dire, tu ne te fais pas tant de soucis, mais pas tu, t'inquiète. Alors, on a entendu l'avis très pensé de Gabriel. Gabriel. D'autres Yvette. Il l'appelle déjà par son prénom, donc il lui donne une place, donner le nom, c'est déjà important, c'est une belle fois. Et il la reconnaît. En la forme du prof, finalement, ça reconnaît, toi, Marc. Ça pose, c'est déjà un début pour poser, enfin, pour calmer les choses.
d'autres. Oui. Claude. C'est vrai que moi, je m'aperçois maintenant que lorsque Marthe parle de sa sœur, elle ne l'appelle pas par son prénom. Mais oui. Il est vrai aussi qu'elle ne s'adresse pas à elle directement. Non. Alors que Jésus s'adresse à Marthe directement. Oui, mais c'est vrai que ça n'interdirait pas de dire ça ne te fait rien que Marie oui, pour faire le service. Oui. Donc, ça irait plutôt dans le sens d'un, voilà, d'une relation plus cordiale. Plus personnalisée. Oui, plus cordiale. Par rapport à l'utilisation de sœur par... quand on dit ma sœur, quand moi je parle de ma sœur, je dis ma sœur au lieu du rêve, c'est pas bon signe. Bon. Voilà. Quand je dis son nom, c'est mignon, mais quand je dis la sœur. Voilà, c'est un peu comme quand vous parlez de vos enfants, de votre fils à votre époux ou votre épouse, et en disant toi ton fils. Ou dans la parabole du fils prodigue, vous savez, ton fils que voici, en oubliant qu'il est aussi son frère. Voilà, donc. Son frère. Voilà, je pense que c'est pas tout à fait anodin. Donc, et puis, il y a un autre passage qui va peut-être vous être familier, mais alors qui renvoie à être pas Marie-Madeleine, mais vous savez, dans l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Il y a ce retournement, enfin ce double retournement là dans le récit évangélique. Enfin, c'est-à-dire si on et il l'appelle par son nom Marie. Et c'est au temps de, enfin c'est dans ce prénom et dans cet appel que Marie reconnaît Jésus qu'elle prenait jusqu'alors pour le jardinier. Donc, enfin, je pense que l'utilisation du, alors, bien sûr, c'est là on est en Luc. Et puis, avec Marie-Madeleine, c'est en Jean. Mais le prénom, je pense que ce n'est pas anodin. Non, ce n'est pas anodin. C'est pas, voilà. C'est pas femme. Ouais. C'est, bon. Moi, effectivement, je l'ai dit deux fois. Ça peut aussi être Marc. Je l'ai déjà dit 100 fois. Ouais. Moi, je l'ai déjà dit. Mais sans mais, agressivité, mais disons voilà, mais, un peu. Ça suffit maintenant. Non, mais plutôt, tu n'as pas compris. Alors, moi, je veux te donner, et toi, tu t'agites. Voilà, moi, je vois plutôt comme ça. Ou alors, elle lui dit deux fois son prénom pour qu'elle prête attention à ce qu'elle va dire. Ah, c'est pas pour faire la mayonnaise. Oui, parce qu'on se rappelle qu'une seule fois, la personne est. Elle comprend, mais si on dit deux fois. Il y a des trucs qu'on comprend. Enfin, c'est anormal de dire deux fois le prénom. Ce n'est pas dans les règles normales. Ce n'est pas dans les règles chez les Aboud et chez les Mings. Maintenant, voilà. Moi, vous en faites ce que vous voulez. Chacun est libre d'avoir son opinion. Je vous lis ce qu'écrit Enzo Bianchi sur le sujet. Le Seigneur intervient pour répondre à Marthe avec beaucoup d'affection et je dirais un peu d'ironie. Mais ça peut être une forme d'une douce ironie. Voilà, Marthe, il y a un truc que tu n'as pas compris. Mais j'aimerais tant que tu comprennes. Enfin bon, c'est de l'interprétation, voilà, faites ce que vous voulez. Alors, après, là, ce qui est un peu moins sujet à discussion, peut-être, c'est ce qui est dit, ce qu'il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et là, les deux termes qui sont utilisés, deux verbes grecs, tu t'inquiètes, merimnao, et s'agiter, toibazo. Alors, toibazo, c'est unique, on n'a pas d'autre, c'est un apax. On ne trouve pas d'autres occurrences de ce terme dans tout le Nouveau Testament. Donc, le reproche de Jésus, il ne porte pas, vous le comprenez bien, sur le service. Non, sur le comportement. Sur l'agitation et le trouble, qui est celle de Marthe. Et là, on retrouve des termes assez proches, en tout cas qui sont construits sur les mêmes racines.
dans la première aux Corinthiens. Si vous prenez au chapitre 7 de la première aux Corinthiens, vous avez toute une série de recommandations que Paul fait. Au sujet des, vers la fin, verset 32 et suivant, au sujet des gens non mariés, des fiancés, des veuves, etc. Et alors, il reprend des termes qui sont très proches, les racines sont un peu les mêmes. Voilà, verset 30, je voudrais que vous soyez exempt de soucis. Hein, ceci, amérimnos, donc c'est la même racine que le verbe. Inquiétude. Et alors, l'inquiétude, ces soucis, d'où viennent-ils? Donc, dans l'exemple qui est donné là par Paul dans l'Épître aux Corinthiens, je voudrais que vous soyez exempt de soucis. Celui qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié a souci des affaires du monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il est partagé. Voilà, le terme partagé là, qui est là et qui est le terme merizo. Et quand on dit ne vous inquiétez pas du lendemain, les oiseaux du ciel ni de moisson ni de vous inquiétez pour le lendemain, ne vous inquiétez pas, il le dit souvent, oui, mais il y a cette idée qui revient ensuite au verset 34. Voilà, ne pas être divisé. Et puis, verset 35, je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour que vous fassiez ce qui convient le mieux et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Donc, l'enjeu, c'est bien la question d'être partagé, de cette espèce de division intérieure. Alors, voilà, là, c'est Paul l'applique à la question du débat du mariage, mais. Oubliez ça, enfin, je pense que c'est pas du tout ça l'essentiel, mais c'est l'idée d'être partagé. Et au fond, je pense que Marthe, dans ce qu'elle vit, elle est partagée parce qu'elle n'est pas à ce qu'elle fait. Elle n'est pas pleinement à ce qu'elle fait. Donc, je vous lis encore ce que dit Enzo Bianchi. Le soin, l'attention, le service pour autrui sont essentiels, mais toute action doit s'accomplir en exerçant l'intelligence avec un effort d'unification de la personne dans le calme et la paix. Il y a une primauté de l'écoute de la parole sur les activités quotidiennes, voire celle du service, de la diaconie, mais pas une opposition où l'un exclurait les autres. Aucun totalitarisme dans le service du Seigneur, mais la place principale doit être réservée à l'écoute du Seigneur, au demeurer en sa présence. Nous pouvons aussi nous demander, est-ce que Marthe avait compris que Jésus n'était pas venu pour être servi, mais pour servir? Marie, en écoutant sa parole, montre l'avoir compris et choisit donc la bonne portion, se faisant disciple. Au contraire, il semblerait que Marthe ne pensait pas pouvoir être disciple du Seigneur. Il lui suffisait d'être sa servante. Je trouve que c'est une intéressante. Et qui n'est pas sans rappeler aussi, vous savez, dans l'épisode, j'évoquais la parabole des deux fils, vous avez aussi ça, c'est-à-dire que le fils aîné ne s'est jamais senti, d'ailleurs les deux ne sont jamais vraiment sentis réellement fils, mais le fils aîné ne s'est jamais considéré comme fils, mais plutôt comme serviteur. Et il y a un enjeu, voilà, de se découvrir vraiment fils. Et toi, tu es là toujours avec moi, hein, dira le père à son fils aîné. Donc je trouve que c'est pas sans lien. C'est un peu entre service et servilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le service dans le sens don ou servilité parce qu'on pense qu'il faut bien faire et qu'on est moins dans le don, on est dans ce qu'on a dans le don. Oui, il y a sûrement. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la liberté. À mon avis, il y a un enjeu de liberté. Ouais. C'est-à-dire qu'entre Marie et Marthe, pour le coup, là, elles ne sont pas tout à fait au même point. Qui n'empêche pas que. Et donc, finalement, comme si Marthe avait beaucoup plus intégré en elle-même
les codes et donc sa vocation d'être au service de Jésus, mais sans s'imaginer forcément disciple, alors que Marie, elle a cette liberté d'être disciple, de s'asseoir, elle ne demande pas son reste, elle y va sans être prisonnière de ses représentations. Le fait que Jésus nous dise ça, finalement, ça peut la faire avancer en disant, ben oui, la prochaine fois, je ne serai pas partagée entre deux tâches et je choisirai quelque chose. Parce que ça arrive souvent d'être partagée. Pourquoi la prochaine fois, d'ailleurs? La fin du récit ne dit pas que peut-être qu'elle s'est assise hein, et puis elle a laissé... Elle a peut-être laissé le plat au four, brûler, c'était peut-être pas mauvais. Il y a parfois des inventions culinaires, hein, comme ça, quand on laisse des choses cuire trop longtemps. Donc, dans ce s'inquiéter pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, verset 42. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Donc, à Marthe, ce sera enlevé sa part de boulot? Mais non, c'est pas parce que. Pourquoi vouloir faire lire au texte ce qu'il ne dit pas d'aucune manière? Je vais poser la question à autre fois, quoi. C'est la bonne part, c'est pas vrai. Comme la tienne non plus d'ailleurs, aurait-il pu ajouter. Comme s'il n'appréciait pas ce que Marthe a fait. Mais c'est la bonne part, c'est que je ressens un peu plus. Oui, mais c'est pas d'être servante. Enfin, il ne le dit pas, du moins. Non, mais on peut être disciple en étant au service. On peut être au service en étant disciple. Enfin, oui, on peut, mais dans les deux rôles. Une est disciple et l'autre est plutôt servante. Donc, la bonne part, c'est d'être disciple. Ben oui. Il n'en veut pas servir. Il n'en veut pas servir. D'ailleurs, c'est ça qu'on est en Mais dans le. Voilà, je crois qu'il faut aussi penser les choses en termes d'articulation et penser ça aussi avec le. Le schéma Israël. Ouais. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton âme, etc. Et puis l'ajout que fait Jésus quand il combine les deux commandements, hein, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Et puis tu aimeras le Seigneur ton Dieu, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein. Donc il y a l'articulation des deux. Mais vous voyez bien que l'invitation à aimer et donc à servir, elle est précédée par toujours l'impératif de l'écouter. Mmh. Écoute d'abord. Mmh. Ce n'est pas écoute et puis contente-toi d'écouter. Mmh. C'est écoute et puis... Après, aime. Aime. Donc, je crois que c'est... Au fond, il y a quelque chose de très profond, enfin de très traditionnel, enfin c'est très juif, tout ça. Enfin, Jésus, à ce point-là, il a une innovation extraordinaire, mais il articule, je crois, de manière tout à fait heureuse les deux choses. Non, parce que je me pose quand même la question, pourquoi il ajoute qu'il ne lui sera pas enlevé? Alors, je pense que, parce que c'est un acte de liberté. Alors là, je vais lire le commentaire que fait Enzo Bianchi encore. Et je trouve qu'il est très éclairant. Mais quelle est la bonne part qui ne peut pas être enlevée? Voilà. Sans aucun doute, le choix de l'écoute du Seigneur est un choix fait librement. On peut tout enlever à l'homme ou à la femme, même la vie. Mais la liberté intérieure de choisir et l'autre face de la dignité humaine ne peut jamais être enlevée, effacée, détruite. Marie s'est montrée capable d'exercer cette liberté. Elle ne l'a ni mendiée ni demandée, mais exercée. Or, là où est cette liberté, dit l'apôtre, là est l'Esprit du Seigneur. Marie a exercé la liberté de fille de Dieu en se mettant à l'écoute de Jésus, en devenant sa disciple, et cette conquête ne lui sera jamais enlevée, ni ici sur terre, ni dans le royaume. Et bien, moi, ça me plaît. Ça va bien. Parce qu'au fond, Marthe, elle s'est mise au service, sans doute, mais peut-être pas avec la même liberté.
Voilà. Oui, mais pourquoi Jésus dit-il « elle ne lui sera pas enlevée » alors qu'il pourrait peut-être dire « cette part, tu peux la prendre toi aussi ». Oui, mais est-ce que… Enfin, vous... Et tu peux la prendre sans l'enlever à Marie. Bien sûr. Je suis assez d'accord, mais je pense un peu à au témoignage que donnait Marion Muller-Collard. Oui. Enfin, au fond, elle faisait cette expérience de liberté. Elle n'est pas convaincue par la remarque qu'une de ses amies lui dit, mais enfin, si tu, c'est peut-être l'occasion de te saisir de choses. Ça fait son chemin. Oui. Mais. Oui, alors Jésus aurait, comme pu... la suite de la... Jésus aurait pu faire mieux et mieux dire, mieux faire. Et... Non, mais il aurait besoin d'un autre coach, c'est tout. Est perfect... Jésus est perfectible. Jésus lui donne à réfléchir. Mais je pense qu'il lui donne à réfléchir, oui, certainement. En tout cas, il nous donne déjà à réfléchir. Mais... Je ne crois pas qu'il soit. De toute façon, oui, parce qu'il répond, puisqu'il a dit lui de m'aider. Et puis, il y a aussi cette question d'un acte de liberté, oui, c'est-à-dire que c'est pas. Il ne lui dit pas ce qu'elle doit faire. Voilà. Ça, peut-être, Claude, ce sera un élément de réponse. Ouais. Il laisse Marthe à son entière liberté. Il ne lui dit pas, mais assieds-toi, fais comme ta sœur. Parce que ce ne serait pas encore une démarche libre. Ce serait encore une démarche qu'elle ferait peut-être de manière... Par l'injonction. Parce qu'il y a une injonction extérieure où il invite à le faire. Et je trouve que c'est plutôt, évidemment, c'est pas mal d'envisager les choses comme ça. C'est très respectueux de la liberté. Mais est-ce que le fait de dire « elle ne lui sera pas enlevée » ne laisse pas supposer qu'elles ne peuvent pas l'avoir toutes les deux en même temps? Alors que, bon, je ne sais pas, c'est une idée de la philosophie occidentale que Dieu est le bien qui peut être partagé par tous sans en priver personne. Oui, mais quand on choisit une bonne part, ça ne veut pas dire que les autres en sont privés. Non. Donc, c'est assez... c'est un réflexe, d'ailleurs, c'est dans le récit de la Genèse, hein, c'est ça. De tous les arbres du jardin, vous pourrez manger, sauf de celui-ci. Et lorsque le serpent dit à Ève, donc l'insistance va être donnée sur le manque. Au lieu d'insister sur le don et la générosité du don, on va pointer le manque et l'interdit. Ça renvoie, je pense, à quelque chose de profondément enraciné en l'homme, c'est-à-dire que tout ce qui est donné à l'autre, c'est comme si c'était quelque chose qui m'était enlevé. oui, mais c'est pas, le fait de dire « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée », alors, pour le coup, là, parce qu'il y a une autre parabole, hein, celui qui a quelque chose, celui qui n'a rien, même ce qu'il a, on lui enlèvera. C'est les talents. Avec les talents, la parabole des talents, pour le coup, là, ce serait tout à fait. Là, ce serait que non seulement on vous enlève, vous n'avez pas grand-chose, mais on vous enlève ce que vous avez. Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Oui. Je vous propose de voir comment ça tourne. On peut peut-être en venir à quelques autres petits encadrés sur la page 4 et la page 5, une belle manière aussi de ressaisir un peu l'ensemble. Notamment l'article de Marie Vincent, les remarques de Jésus à la page 4.
je trouve, voilà, c'est bien de rappeler quelques fondamentaux là. Le récit peut paraître choquant, et apparemment il l'est, on a pu entendre, mais il faut dire que Jésus ne tente pas de dévaluer les efforts d'hospitalité de Marthe, ni d'attaquer le rôle traditionnel d'une femme. Il ne met pas les deux sœurs en concurrence. C'est quand il refuse de choisir ou d'équilibrer ou de... Non, il renvoie chacun à sa liberté, là. Jésus défend plutôt le droit de Marie à écouter son enseignement et déclare même que c'est la chose essentielle pour ceux qui veulent le servir. Voilà. Ça, je trouve que c'est une... écouter l'enseignement de Jésus est une chose essentielle pour ceux qui veulent le servir. C'est dans le contexte de disciples véritables que l'on peut être une hôtesse authentique ou un hôte authentique. La pointe du texte se trouve dans l'importance d'établir ses priorités. Il y a là une réorganisation des priorités traditionnelles à la lumière des exigences du royaume. Chacun doit réorienter son mode de vie et ses choix en fonction de la bonne part dont parle Jésus. Mais en effet, personne n'est exclu et tout le monde peut bénéficier de cette bonne part en commençant à se mettre à l'écoute. Et puis après tout, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, se mettre à l'écoute de Jésus, ça doit aussi être roboratif et nourrissant. Et donc, on peut se nourrir de la parole avant de s'engager dans les agapes. Donc, les agapes peut-être attendre un peu, quoi. C'est la nature radicale de l'Évangile et la raison pour laquelle elle affecte le statut des femmes de manière spectaculaire, comme un élément subversif au regard des conventions sociales et des codes culturels, en particulier dans la Palestine du 1er siècle. Donc, il y a un petit texte du pape François que vous pourrez peut-être lire tranquillement. Donc, il reprend cet Évangile en insistant sur la capacité à conjuguer contemplation et action, mais sans être dans une exclusion. Associer les deux. Et puis, il y a un autre texte que j'ai pas les deux. Sur la page 5, vous avez un premier texte qui relie cet épisode avec quelque chose de très contemporain qui est le burn-out. Et je trouvais ça assez fin. Marthe fait bien. Voilà. Elle accueille Jésus, fait le service, mais n'y arrive plus. Dans l'impasse, elle appelle à l'aide. C'est le syndrome du burn-out de la bénévole. Elle s'engage dans un service et est sollicitée de plus en plus au point de ne pouvoir participer aux festivités, aux cérémonies où les officiels ne font pas attention à elle. Pire, ils valorisent ceux qui ne font rien d'autre que faire cortège. Elle craque. La remarque de Jésus est amicale. Point d'interrogation. Marthe. Il n'oppose pas, mais privilégie à ce stade l'écoute sur l'action, le projet de Dieu par rapport au projet pour Dieu, où chacun cherche à se valoriser. Incidemment, et c'est révolutionnaire pour l'époque, on peut voir que Jésus ne relègue pas la femme aux tâches ménagères ou subalternes, puisque Marie est admise au rang de disciple. Et puis oui, cette idée-là du projet de Dieu par rapport au projet pour Dieu. Ouais. Et je pense à un autre épisode plutôt dans tiré de l'Ancien Testament avec la figure du prophète Élie. C'est dans la manifestation à l'Horeb, dans le livre des Rois, chapitre 19 par là. Vous avez, enfin, Élie, qui est une figure de quelqu'un qui se présente un peu comme le défenseur de Dieu. Je suis voilà, dévoré par un zèle ardent pour le Seigneur. Et finalement, donc, il était porté par ça. Il y a l'épisode du Mont Carmel, le massacre des prêtres de Baal. Et puis voilà, la reine Jézabel qui le menace de lui faire la peau et donc il s'enfuit découragé, lui qui se présentait comme le défenseur de Dieu, et ben voilà, il est un peu cassé, puis il lance en écho: Seigneur, reprends ma vie. Il y a un peu quelque chose aussi du burn-out là. Ouais.
Et il va faire cette expérience de voilà, prends aimant, sinon la route sera trop longue pour toi. Donc, Dieu ne lui demande pas de faire, mais d'accueillir. D'accueillir. Voilà, se nourrir pour faire ses efforts pour avancer et aller vers le rêve. Et sur le mot rêve, qu'est-ce qu'il va expérimenter ? La brise. La brise légère. Ce n'est pas le tonnerre, ce n'est pas les manifestations puissantes, c'est le souffle d'une brise légère. Et là aussi, c'est par rapport à le côté arrogant, c'est trop fort, mais ce zèle, ce côté je combats pour Dieu à la force du poignet, etc. Ben là, il se découvre touché par cette fragilité, quoi, par une caresse, quasiment. Quelque chose qui est de l'ordre d'une caresse. Le souffle d'une brise sur le visage, ça fait cet effet-là. Et curieusement, après, Élie, c'est une figure qui ne fait plus grand-chose. Après, il a passé le relais à Élisée. Mais je trouve qu'il y a quelque chose pour Élie dans un passage du projet pour Dieu au projet de Dieu. Et, il me semble que Marc est invité à faire quelque chose du même ordre. Voilà. Comparaison n'est pas raison, mais je pense que c'est deux récits qui aussi, pour une part, être rapprochés dans l'évolution des deux personnages. Voilà. Et puis, j'ai trouvé le texte de l'évêque de Nevers, Cérébral de la Fermière, qui était plutôt. Moi, voilà, je trouvais ça assez juste. Hein. La meilleure part, Marie l'a prise, mais parce que Marthe l'avait délaissée. La meilleure part, c'est de rester assise en écoutant Jésus. Marie l'a compris, Marthe n'a pas su en profiter, alors qu'elle aurait pu. Pour une fois, elle aurait pu laisser ses casseroles et ses habitudes de mettre les petits plats dans les grands pour profiter de cet instant unique où elle est invitée, elle, à passer à la table de la parole de Jésus. Marie est en train de boire cette parole, de s'en remplir le cœur. Les rôles sont inversés, il est invité à manger et c'est lui qui offre le repas. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, je te dis bien nécessaire. Tout ce que tu fais est utile, toute cette activité que tu déploies pour m'accueillir. Une seule chose est nécessaire, ouvrir tes oreilles et ton cœur à ce que je veux t'apporter. Tu t'agites pour faire des choses, tu oublies le sens des choses. Assieds-toi, Marthe, viens rejoindre Marie. Viens auprès de moi. J'ai aussi des choses à te dire. Il y a un temps pour tout, un temps pour courir et un temps pour s'arrêter. S'arrêter pour savoir pourquoi on court. Viens donc, Marthe, prends le temps de goûter la parole de Dieu. Tes plats n'en seront que meilleurs. Ça, c'est pas sûr. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, Agnès. Quelque part, dans son art, elle encourage le fameux cléricalisme en faisant presque trop pour. Alors que lui, finalement, il remet les gens pour le voir aussi autrement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'en faire autant que moi, moi aussi j'ai abonné et puis on peut partager. Non, parce que là, c'est vraiment c'est le service hein, de la Seigneur, alors il faut faire. Alors, je l'associe. J'ai du mal à l'associer au cléricalisme. C'est pas dans le sens inverse. On pourrait dire que quand on peut avoir une attitude comme ça, en face de personne, c'est un cléricalisme. C'est très bon. T'obliges à être servi. Alors, d'accord. Oui, parce que Marthe, je ne pense pas qu'elle soit le moins du monde, qu'elle soit cléricale. Non, je ne dis pas qu'elle aime, je veux dire son attitude, comme je dis, si tu es en face de quelqu'un qui peut profiter de ça, il va en projet dire bah, oui, bah, c'est mieux, bon, je ne voyais pas ça. Ça prouve bien que Jésus montre aussi un chemin, que ce n'est pas tous les égards qu'on aura pour lui. Oui, est-ce qu'elle va rajouter quelque chose encore? Bon, bah écoutez, il est 22h10.
un horaire raisonnable pour aller rejoindre ses pénates en, en bon panier que nous sommes. Donc, eh ben, voilà, merci de votre attention. Donc, je rappelle, hein, notez bien dans vos calepins la prochaine rencontre le 24 février et non le 17 comme initialement annoncé. Donc voilà, que ce soit l'après-midi, le soir, c'est pareil. Donc 14h30 au Levenfels et puis 20h30 ici au presbytère ou en visio. Donc voilà. Peut-on reprendre, c'est pas en visio. Non, c'est pas en visio l'après-midi. Il y a des problèmes de connexion au Levenfels, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Voilà, ben alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis voilà. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Merci Hervé. Super. Merci.